Offensive, attaque une marche lente de préparation et marche feinte. Défensive, fin d'attaque pour provoquer l'attaque et faire passer dans le vide et riposte en marche feinte. Vérifiez que la fin d'attaque se fait sur la marche de préparation. Vérifiez également le blocage du saut arrière en équilibre pour repartir en offensive de marche feinte. Attaque composée en marche feinte, feinte de coup droit et dégagement. Vérifiez que l'allongement du bras dans la feinte se fait au départ de la marche d'accélération. Dans la marche de préparation, marche lente, le bras se maintient en position de garde, pointe menaçante. Attaque par fin de coup droit et une 2 ou fin de coup droit dégagé. Vérifiez que dans les feintes, la main se place à la hauteur de l'épaule. Attaque composée par doublé. Contrôlez l'amplitude du passage de la pointe et le changement de rythme dans la marche d'accélération. À cette occasion, le défenseur réagit en parade circulaire, carte et contre de carte. Vue frontale des actions précédentes. Attaque composée en marche feinte, feinte de coup droit et dégagement. Attaque par feinte de coup droit et 1-2. Attaque composée par doublé. Remarquez encore une fois l'importance de l'amplitude des mouvements de la pointe, le plus petit possible. Contre-attaque par opposition de carte sur attaque directe en marche feinte. Vérifiez que l'allongement du bras dans la contre-attaque se fait sur le départ de l'allongement du bras de l'attaquant au départ de la feinte. Il est important de toucher en fermant la ligne, l'allongement du bras vers l'avant et la fermeture de la position de carte se faisant ensemble. Attaque par coup droit, parade de carte riposte et contre-riposte de carte. Attaque par dégagement, parade de sixte et riposte et contre-riposte de sixte. Vérifiez que l'allongement du bras dans l'action offensive se fait sur le départ de la fente. Vérifiez également que la contre-riposte se fait dans la position de fente, sans retour à la garde, parce qu'il s'agit d'une riposte immédiate.